Eh bien salut tout le monde, c'est Best of War, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de mon guide zombie. Dans cet épisode, on va parler des endroits les plus secrets de transit. Alors il faut savoir que ces endroits n'ont pas de spécificité particulière, mis à part le fait qu'à l'intérieur de certains de ces endroits, il y a des objets qui vous permettront de faire l'easter egg. Vous allez voir, c'est assez sympa et ça vous permettra au moins de savoir plus précisément, grâce à des plans que j'ai faits, où se trouvent et comment utiliser ces endroits et pourquoi les utiliser justement, afin d'émettre quelques petites stratégies pour tenir plus longtemps en transit avec vos potes. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la vidéo, c'est parti. On va tout de suite parler de la cabane du bûcheron. Elle se situe entre la ville et le laboratoire. Le mec qui habitait là a oublié de prendre son couteau avec lui, donc si jamais vous avez 3000 de trop, vous pouvez bien évidemment aller acheter le couteau Bowie qui vous aidera à découper du zombie beaucoup plus facilement qu'à main nue. Vous avez également le point taser dont je vous avais parlé qui se trouve sur le toit du diner. Ces deux accessoires sont assez utiles et peuvent vous sauver la vie en cas d'extrême urgence. Si jamais vous passez entre le diner et la ferme, n'hésitez pas à aller faire une petite prière à l'église. Il vous suffit simplement de descendre à mi-chemin, de prendre la petite route à gauche, vous accéderez ainsi directement à la ville au lieu de devoir faire tout le tour. Ça coupe la map en deux, c'est assez pratique si vous voulez mastodonte dès le début de la partie. On va maintenant attaquer les choses un petit peu plus sérieuses avec les deux endroits secrets principaux de transit et je vous propose d'attaquer directement Nachtderuntoten. Retour aux sources avec cette zone étant donné que c'est la première map zombie qui a été créée dans l'histoire du zombie de Call of Duty. Pour pouvoir accéder à cette zone, bah, tout simplement je vous conseille de descendre du bus pour vous caler contre les voitures, emprunter le petit chemin qui s'ouvre à vous, prendre la première à droite, qui est d'ailleurs le seul chemin à droite qui se présente à vous, prendre le petit chemin à gauche et puis continuer tout droit en courant en espérant ne pas vous faire attraper par les jambes afin d'accéder à cette zone beaucoup plus facilement. Dans cette zone, il n'y a rien de spécial à part un objet qui pourra vous aider pour l'easter egg, mais je ferai une vidéo vraiment à part pour expliquer les différentes étapes de cet easter egg qui n'est vraiment pas compliqué, vous le verrez. Sinon, c'est juste un clin d'œil pour nous remémorer un petit peu notre petite partie hardcore sur cette toute petite map de Call of Duty 5 et Black Ops, et vous ne pouvez pas monter à l'étage, vous n'avez que le rez-de-chaussée qui est ouvert à vous. La tour radio, sans interférence c'est mieux. On va se taper la discute avec Richtofen et Maxis maintenant, en rejoignant cette tour. Comme vous le voyez, c'est un labyrinthe circulaire. C'est pas bien compliqué, hein. Si vous avez un ami qui a déjà fait l'easter egg, je vous invite de faire une partie avec, et comme ça la tour sera illuminée, vous aurez plus facile à la rejoindre. Comment rejoindre la tour facilement? C'est très simple. Vous faites comme la séquence avant, vous vous calez contre la voiture blanche, en face du champ de maïs de Nachtderuntoten. Vous traversez la route en regardant à gauche et à droite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà morts en faisant ça. Oui, on sait jamais qu'une voiture passe, ou même un train, on sait jamais. On n'est jamais assez prudent. Dirigez-vous toujours vers le milieu du labyrinthe, vu que c'est un cercle et vous devez aller plus ou moins au centre, et vous arriverez enfin sur le pied de la tour, même sous la tour, où vous devrez construire une table pour faire l'easter egg, mais j'en parlerai dans une vidéo, je le dis et je radote. Voilà, mon épisode numéro 2 de ce guide zombie est terminé. Alors je sais qu'il est court, mais je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, dans mes guides zombies, je vais donner uniquement les informations qui concernent le titre de la vidéo. Je vous parle des endroits secrets dans le titre, bah automatiquement dans la vidéo, je ne vais vous parler que des endroits secrets. À part vous donner les endroits où ils se trouvent, étant donné qu'ici dans Transit, bah ils n'ont pas vraiment d'utilité à première vue, sauf pour faire l'easter egg, et que je ne vais pas parler de l'easter egg dans ma vidéo sur les endroits secrets, ben voilà, forcément ça va faire qu'elle sera assez courte. Vous m'en voyez, désolé. Pour la fréquence de vidéo, ben je vais en sortir une par semaine, donc un épisode par semaine. J'essayerai de sortir un gameplay entre temps, mais là c'est un peu compliqué parce que avec les examens, les trucs avec le magasin et tout ça, j'ai un peu du mal à gérer, mais on va essayer de s'en sortir, c'est bientôt les vacances. Donc là je vais pouvoir vous faire un peu plus de vidéos zombies parce que je sais que c'est ce que vous aimez. Donc voilà. Aussi, pourquoi je fais ça par tranche et pas tout d'un coup, pour ceux qui se poseraient la question, c'est parce que vous par exemple, quand vous avez du mal sur un jeu, que vous avez envie d'avoir une information, premier réflexe que vous allez avoir, c'est d'aller taper ça sur YouTube, ou Google même, pour trouver cette information. Les gens qui vont vouloir savoir des trucs sur le zombie de Black Ops 2, ils vont taper, je sais pas, par exemple, Nachtderuntoten sur YouTube. Les francophones vont souvent tomber sur des vidéos anglaises, bah s'ils tombent sur la mienne, au moins elle est en français, ils ont tous les endroits secrets d'un coup, donc ils peuvent les noter. Il y a le plan qui est téléchargeable dans la description si vous voulez aller les voir.
tout est clair, net et précis. Je veux dire, je vais pas tourner autour du pot. Si je mets dans le titre que je vais parler des endroits secrets, ben je vais parler que de ça, je vais pas parler d'autre chose. Le prochain épisode, ce sera sûrement l'Easter Egg, mais je sais pas, ça c'est à vous de voter, car il y a un sondage Pixul dans la description qui vous permettra d'aller cocher une petite case, et j'en tiens bien évidemment compte de ces statistiques-là, étant donné que c'est là-dessus que je me base pour faire mes épisodes, voilà. Si la vidéo vous a plu, ben je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à très très bientôt, ciao tout le monde, bye bye.